Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram, Yonamen Khan, Apegi Batester, Zarabat Mazal Tov, Shishporti, Simon Batloni, Michael Novikov, et aussi l'Irfouat Norbert, Avram, Ben Fortune, Mazal Tov, Charfol Israël, si vous souhaitez vous aussi dédier la prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la côte, Perikvet, Mishnah Chet. Kayot Sebo, Rotseach, Shegala, Le'ir, Miklato, Veratsu, Anche, A'ir, Lechabedo, Yomar Laem, Rotseach, Ani. אמרו לו אף על פי כן יקבל מהן שנאמר וזה דבר הרוצח. מעלים היו שכר ללווים דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר לא היו מעלים שכר. וחוזר לשררה שהיה בא דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר לא היה חוזר לשררה שהיה בא. Trois petits sujets dans la Mishnah pour conclure le thème des arrêts miklat, des villes de refuge de celui qui a tué Beshogeg. La Mishnah débute en nous disant Kayot Sebo. De même, la question sera de savoir quel rapport de même avec la Mishnah précédente, on expliquera ensuite. Kayot Sebo, de même. Rotseach Shegala Leir Miklato, un assassin, Beshogeg, avec inattention, qui est parti en exil, Leir Miklato, dans une ville de refuge, Veratsu Anche Ha'ir Lechabedo, et les gens de la ville ont voulu l'honorer. C'était quelqu'un d'honorable, c'était un Rav Khashuv, c'était un politicien, Khashuv, d'accord, un noble, peu importe. Et donc ils ont voulu l'honorer quand il est arrivé dans la ville de refuge. Les Lévim qui étaient là-bas, ou les autres assassins qui s'y trouvaient. Yomar Laem Rotseach Ani, il devra leur dire, les cocos, c'est vrai que j'ai un beau frac, et j'ai un beau chapeau à Hambourg, mais en tout cas, sachez que je suis un assassin. Amrolo afal pichen, si l'on dit malgré tout, tu es digne des honneurs malgré tout, on a envie de t'honorer. Yekabelmen, il n'a pas lieu d'en faire plus, il n'a pas lieu de refuser les honneurs. Il doit juste, quand on vient l'honorer, leur dire je suis un assassin. Si vous voulez ne pas m'honorer, sachez que je suis un homme qui a un grave problème dans la vie. D'accord ? Sheneemar veze devar arotseach. Comme le pasuk nous dit, veze devar arotseach. Tel est le propos du rotseach. On avait dit que le début de la Mishnah débute avec Kayot Sebo, de même. Il n'y a aucun rapport avec la Mishnah précédente, et ni avec deux Mishnahs précédentes. En réalité, si on se souvient, à la fin de la Mishnah, hey, on apprenait là-bas, on avait rapporté ce pasuk qui nous disait, veze devar arotseach. Tel est le propos du rotseach. Là-bas, Rabbi Meir apprenait que l'assassin doit lui-même se soucier de se défendre lorsque le vengeur de sang vient le trouver, lorsqu'ils étaient en route pour partir dans la ville de refuge. Et donc, puisqu'on a mentionné ce verset là-bas, hein, la Mishnah, certes, de fil en aiguille, elle a parlé d'autres sujets, mais elle revient maintenant dans la Mishnah Chet, en s'important qu'Ayot Sebo, idem encore, on déduit de ce verset autre chose. Donc, cette notion qu'on a dit, que si on veut honorer quelqu'un d'honorable dans la ville de refuge, un assassin qui est initialement honorable, de famille importante, ou de rang important, alors on pourra malgré tout l'honorer, mais il devra uniquement leur dire « Sachez que je suis un assassin », les prévenir avant. On déduit ça du pasuk qui nous dit « Vezet varotzer ». Maintenant, suite de la Mishnah, d'abord on lit, on traduit, après on explique. « Ma'alinayu sachar la levin » Ils doivent donner un salaire, un loyer, ils doivent payer un loyer aux Lévi'im. Au Lévi'im, à la tribu de Lévi qui habite dans la ville, dira Rabbi Yehuda, tel est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, lo ayu ma'alin la'en sachar. Ils n'avaient pas besoin de leur donner un salaire. Et alors là, on fait une petite pause d'abord, et on revient sur la Mishnah d'Alet. Dans la Mishnah d'Alet, on avait appris qu'il y a 48 villes refuge. Il y a 42 plus 6. En réalité, il y a 6 villes essentiellement qui sont des vraies villes de refuge. Et il y a à part ça les 42 villes qui sont les villes des Lévi'im. Ouais, on avait dit que les Lévi'im n'ont pas reçu de parcelles en Eretz Israël, mais ils ont reçu uniquement des villes. Ouais, leur vie est consacrée à la Vodat Hashem, à la Torah, aux mitzvot. La Torah leur a donné des villes sans avoir de grandes terres pour cultiver, parce que ce n'est pas leur rôle sur terre. Ils sont là pour transmettre la Torah, pour servir au Beth Amikdash, les Kohanim et les Lévi'im. Et donc, ils avaient reçu des villes. 42 villes, et ils étaient bien sûr entretenus par le peuple qui devait leur donner les différentes Troumot et Maasrot pour les Kohanim, pour les Lévi'im. Alors, maintenant, on avait appris que leurs villes, elles aussi, peuvent protéger du Goël Adam, du rongeur de sang. Et donc, en fait, il s'avère qu'il y a 6 villes refuges, et à part ça, 42 villes qui ont le même rôle que des villes de refuge.
Quelle est la différence? Il y a plusieurs différences entre les villes. Il y a la Mishnah qui nous évoque une des différences, c'est le fait de donner le, payer un loyer. Selon Rabbi Yehuda, dans une ville de Lévi'im, des 42 villes, certes, la ville te protège, mais tu dois malgré tout payer un loyer, comme un habitant étranger qui viendrait t'installer dans cette ville. Tu dois payer un loyer, d'accord? C'est la vie de Rabbi Yehuda. Tandis que dans les 6 villes de refuge, ils ont un droit d'y aller et d'y vivre gratuitement. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, lo hayu ma'alin la'en sachar, dans tous les cas, même dans ces 42 villes, à 6 à plus forte raison, mais même pour les 42 villes, ils ne payaient pas de loyer au Lévi'im. C'était un droit que la Torah leur a octroyé de vivre dans cette ville. Et quand ils débarquaient dans la ville, les Lévi'im devaient lui débrouiller une maison pour qu'ils puissent s'y installer et y vivre. D'accord? On continue avec la troisième partie de la Mishnah, on a une Mishnah courte. Vechozar l'Israra Shehayaba, dit vrai Rabbi Meir. Cette fois-ci, on ne parle plus de la ville de refuge. On parle lorsqu'il va sortir de la ville de refuge. Soit le Kohen Gadol est décédé. Et enfin, après 22 ans, 40 ans, ça peut prendre des fois 60 ans, allez savoir. Alors, l'assassin va enfin revenir dans sa ville. Et la Mishnah va traiter d'un sujet intéressant. Vechozar l'Israva Shehayaba, diri Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il revient au rang auquel il était. Soit, s'il avait un rôle important dans la ville, ouais, il y avait, de nos jours, on a un peu perdu tout ça, mais en tout cas, il y avait... Dans les villes, selon la Torah, il y avait d'abord, premièrement, il y avait le maire de la ville, bien sûr. C'était en fait, selon qui était le seigneur de la ville, un peu comme dans l'histoire française, celui qui dirigeait la ville. Comme il y avait, on apprend ça, on remarque dans le Navi, il y avait comme ça, avec Boaz, avec les chefs de famille, des rangs importants. Il y avait des rôles, comme dans les synagogues, on pourrait voir qu'il y avait le gabaï, le trésorier, le ministre de ci ou de ça. Le Khazan, d'accord? C'est ce qu'on appelle la Mourzakout Avotem, le rang qu'il avait depuis ses parents. Alors, lorsqu'il revient après 30 ans, c'était le Tokea Rosh Hashanah, c'est une Srara, c'est un rang, c'est un rôle, une fonction particulière. Et le pauvre, ensuite, il a tué Beshogak, donc il a dû s'enfuir. Après 23 ans, il revient dans sa ville initiale. Est-ce qu'il récupère son rang ou non? Quel que soit le rang qu'il avait. Vechozar l'Israra Shayaba, il revient à la belle fonction qu'il avait initialement. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda Omer, il avait perdu son rôle qu'il avait initialement, il l'a perdu. Il apprend ça de Psukim, on va le voir dans quelques secondes dans le Bartanora. On fait tout de suite le Bartanora sur le début de la Mishnah. Ma'alin alu sachar la Levim, qu'il devait payer un loyer au Levim. Dont on parle des 42 villes des Lévi'im, Shegam Hem Koltot, que ces villes-là aussi l'intègrent pour le protéger, de manière à ce que le Goel Adam, le vengeur de sang, n'a plus le droit de le tuer. Et dans ce cas-là, Maaleh Rotsar Sachar le Baal HaBayit Sheudarbo, l'assassin devra donner un loyer au propriétaire de la maison dans laquelle il s'installera. Rabbi Meir Omer, qu'il n'y a pas besoin de payer. Ve'en alacha ki Rabbi Meir. Et la alacha n'est pas établie comme Rabbi Meir, donc il faudra payer un loyer. Mais attention, ve'davka be'mem bet ir, uniquement dans les 42 villes, mem bet, c'est la géométrie à 42, dans les 42 villes, des Lévi'im, aval be'shesh arei miklad, par contre dans les 6 villes refuges, kulalma modu shen ma'ale sachar le'ba'al abayit, tous sont d'accord qu'il n'aura pas besoin de payer un loyer au ba'al abayit. Et maintenant sur la dernière partie de la Mishnah, est-ce qu'il revient au rang de ses parents ou non? Alors la Mishnah, ouais, au rôle, à la belle fonction qu'il avait depuis son père ou non, la Mishnah nous disait qu'il y avait une machloket sur ça. Et Rabbi Yehuda, la halakha établie, Rabbi Yehuda nous disait qu'il ne regagne pas le rang qu'il avait. Dirtiv, comme le pasuk nous dit, Veshav el mishparto vel achuzat avotav yashuv. C'est un pasuk qui ne parle pas de Irmiklat. C'est un pasouk qui parle d'autre chose complètement. On parle du Yovel, et on parle de l'esclave, Eved Ivri, du juif qui s'est vendu en esclave. Et que lorsqu'arrive le Yovel, la Mishnah nous enseigne que Veshavel Mishparto Vel Achuzat Avotav. Il reviendra à sa famille, les esclaves sont affranchis, même si c'est un esclave juif, lorsque c'est un esclave juif spécifiquement. Il regagnera sa famille et Achuzat Avotav, la terre de ses pères.
Et on déduit de là, Vela Chosat Avotav Yashuv, les Mishparto Choser, il revient à sa famille, Veno Choser le Mashir Ziku Avotav, mais il ne revient pas sur les hautes fonctions qu'il devait hériter de ses parents. Veno Alacha Ki Rabbi Yehuda, et sur ça, l'Alacha n'est pas établi comme Rabbi Yehuda, soit lorsqu'il va regagner sa ville, s'il était le président de la synagogue, et bien il recommencera à présider la synagogue. L'intérim qu'on avait mis, et après 22 ans, 23 ans, 40 ans, il se remettra de côté, puisqu'à présent, celui qui était initialement titulaire de ce rang est revenu là. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, Kol Tov, Selah.